Ok, madame, suivez correctement le traitement que je vous ai donné et puis rendez-vous dans 2 semaines. Merci, docteur. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai besoin de m'entretenir avec vous. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis le collègue Aïtan. Ah. Voilà, je viens remettre mon cadeau. D'accord, ok. Je vais voir si madame est là. Très bien. Monsieur, oui. Madame dit qu'elle n'est pas là. Oui. Bon, ben d'accord. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pardon, je m'appelle Mike, je suis le collègue et ami Aïtan. Je n'étais pas à la cérémonie traditionnelle, alors je viens personnellement remettre mon cadeau. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Je suis vraiment très épuisée et grippée, ce qui explique ce voile, histoire de ne pas contaminer. D'accord. Je suis vraiment désolée, mais là, il faut que j'aille me reposer. Bien sûr. Au revoir. Allez, au revoir madame, portez-vous bien. Monsieur. Pardon. Allez. Okay. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ouvrez la bouche. Ah. Mettez-vous sur le ventre. Écoutez, docteur, je sais que l'Institut de votre défunt père des difficultés ne tiendra pas longtemps. Je voudrais vous aider. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi? Ah, mais vous me piquez les fesses! Vous souffrez d'un palu. Ben, c'est pas de ma faute si vous sentez refoulé, hein? De quoi vous parlez? Parce que vous ne le saviez pas. Demandez-le à votre oncle. Bernard, j'ai besoin que tu m'expliques certaines choses. Assieds-toi, je t'attendais. Pas la peine. De quoi parlait ton ami Fadoul? Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Mowgli. Il vivait dans la famille des loups. Mais de quoi tu parles? Il faisait tout avec eux. Il profitait des mêmes avantages qu'eux. Tout. Et puis un jour, grâce au tigre, on a su qu'il n'était pas des leurs. Il a dû le quitter. Tu es Mowgli. Quoi? Oui. D'où vient ton nom, Momo? Diminutif de Moïse, c'est-à-dire sauver des eaux. C'est impossible. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que tu dis est vrai? Alors,
comme Mowgli, grâce au tigre Fadoul, ta famille va découvrir que tu n'es pas loup. Tu vas donc devoir partir et perdre ton héritage. J'ai confiance en Gina. Et c'est pas le sang qui va nous diviser après tout ce qu'on a vécu. On peut toujours essayer, hein. Allô? Nous avons reçu un avis d'expulsion pour le cabinet. Le bâtiment a un nouveau propriétaire. Mais comment ça? Il nous demande 2 millions pour garder le cabinet. Nous avons sérieusement besoin d'argent. Vas-y, bon, vas-y, mets le son là. Talé, italé, yo. Petit qui dans ça, il y a longtemps tu cherches à me faire tomber. Mais comme l'éternel est ma lumière, je ne resterai jamais dans l'ombre. Ce n'est pas compliqué, il suffit de barabara travailler et de confier tout ce que tu fais à Dieu qui bénit. On reprend ça. Hey, c'est quoi, Abelid? Ça va? Kali. Ça va? Un peu. Hey, Jean-Bio, tu peux me laisser une minute, s'il te plaît? Oh, ouais, va. Ok, cool. Vas-y, installe-toi. Qu'est-ce que tu pètes pas trop la forme, apparemment. J'ai rencontré le meilleur ami et collègue à mon mari. Ce dernier m'a rapporté un présent pour me féliciter. Ah, ben c'est gentil. Le souci, c'est que je l'ai reconnu. C'était un client. Je savais. Je savais que cette histoire allait finir par te retomber là-dessus. S'il te plaît. C'est pas le moment. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais voir ni maman ni papa, mais mon meilleur ami. J'ai besoin de tes conseils. Écoute. Tu sais, ton passé, il est différent de ton présent. Et je pense que Ethan, il n'aura pas de mal à le comprendre. Par contre, il faut que ce soit toi qui le dise. Hey Momo, qu'est-ce que tu fais là? Je venais voir comment ça va ici. Je croule sous le boulot. Tout est à refaire. Ah ouais? Ouais. Qui le dis-tu? Je te rappelle que je suis ici avec papa. Je me demande comment il faisait. Tu te souviens du dessin animé Le Livre de la Jungle avec Mowgli? Ouais. Tu as aimé? Énormément. Pourquoi? Tu veux qu'on se le refasse? Et ça t'a pas fait de la peine lorsqu'il a dû quitter sa meute de loup? Un peu, oui. Mais tu sais, il n'était pas des leurs, donc il ne pouvait pas vivre parmi eux. Mais il a quand même vécu avec eux. Il a grandi avec le petit. Pourquoi est-ce que subitement, il ne peut plus rester avec eux? Mais dès l'instant où même les petits commencent à comprendre que Mowgli n'est pas des leurs, ça crée tout de suite un malaise, c'est une réaction normale. Dis-moi, qu'est-ce que tu as avec cette histoire de Mowgli? Oh. Je viens de me le faire sur mon PC et j'avoue que ça m'a un peu attristé. Au moins, tu as du temps pour te faire du cinéma. Bon, je vais pas prendre plus de ton temps. Oh. En tout cas, je suis trop contente que tu sois venue me voir. Je te laisse avec tes histoires de Mowgli, là. J'ai tellement de choses à faire. Viens. Ok. Pardon. Alors, ça te dit d'être mon assistante? Quoi? T'es sérieux là? Bah ouais. D'accord. Mais je te rappelle que je veux d'abord m'inscrire ici. Oui, mais en attendant, tu seras mon assistante. Ok. Alors, on commence par quoi? On commence par le commencement, bien sûr. Il faut trouver le profil parfait de professeur pour Mélodie. Ok. D'accord. Il nous en manque un là. Où ça? Ici. Oh tiens. J'y avais pas pensé. Ben, on va faire un casting. Non, t'es pas sérieux.
reviens. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Bonjour, docteur. Non, la jeune femme s'est enfuie depuis hier. Comment peut-on abandonner un enfant qu'on a porté pendant plus de 9 mois dans son ventre? Dans quel monde sommes-nous? Malheureusement, c'est ce qui arrive lorsque la mère n'a pas de moyens pour s'occuper de son enfant. Étant donné qu'elle était dans l'urgence, elle n'a pas laissé de pièces. La CNIC a donc pris l'engagement de s'occuper d'elle, croyant que le lendemain, le père viendrait payer la facture. Ah merde, on s'est bien fait avoir! Qu'est-ce qu'on fait du bébé? Je pense qu'il va falloir informer la police, le placera dans un centre social ou alors passer une annonce à des couples qui cherchent désespérément un enfant et avec un peu de chance, le petit aura une bonne famille, comme le cas du petit Moïse. Pardon? Je parlais du petit Moïse, comme dans l'Ancien Testament. Allô, chérie. Comment tu vas? Et c'est pour cela que tu es mon héros. Alors, je dois rencontrer un photographe tout à l'heure et je ne pense pas finir avant 18h. Je me disais qu'on pourrait se faire un resto. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger, mais nous sommes en rupture de seringue. Ah oui? Je pense qu'il doit en avoir au laboratoire. Monique, tu t'en charges, s'il te plaît? D'accord, docteur. Allô, Zoton? Je suis choqué pour la vente de l'école. On a tout gagné. Tu es sûr qu'elle n'en saura rien? T'inquiète pas, elle ne saura rien. Rien. Allô? Fadoul, ça y est, on a la signature. Comme vous pouvez le constater, la petite Gina a signé le contrat, mais refuse de me céder la propriété. Vous ne dites pas la vérité, monsieur Fadoul. Et dans ces conditions, on aura beaucoup de mal à vous défendre. Et comment osez-vous me traiter de menteur? Mais ces signatures ne sont pas conformes, à mon avis. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu me connais, je ne marche pas dans la combine. Tu crois en ces documents? Oui, c'est légal. Hein? Et puis, je suis ton collègue et ami, là.
Je ne peux pas t'embarquer dans une histoire louche. J'ai confiance en toi, mais pas en ce type. Écoute, je te rassure tout de suite. J'étais présent quand la jeune héritière signait ses documents. D'accord? Alors, je veux qu'on y retourne. Tu présentes tes excuses à Fadoul. Ensuite, tu vas exercer une pression sur cette jeune fille et puis à nous la commission. Ethan? Quoi encore? Le client est parti. Il faut qu'on la fasse, cette affaire. Franchement, je ne la sens pas, cette affaire. Dernière création. Alors, je compte sur vous pour de belles photos. C'est pas un problème, mais c'est juste que... C'est quoi le souci? C'est juste que l'argent que vous donnez n'est pas suffisant. C'est vrai que nous avons dépassé les 2 heures de shooting. On pourrait arranger ça entre adultes. Nous sommes des artistes, non? Allô, chérie? Non, je n'ai pas encore fini. Ça me paraît super comme idée. En plus, je trouve ça très sexy. Bisous. Je t'aime. Alors, et si on a terminé cette fameuse séance photo? Assez de temps, alors on va devoir faire vite. Madame est en retard et c'est elle qui fait l'exigeante. Madame. Écoutez, j'ai eu une dure journée. Et la première chose que je veux éviter, c'est un envoyé de Fadoul. Donc soit vous parlez vite, soit je rentre. Parce qu'il faut avouer que c'est déjà une faveur que je vous fais d'être ici, à faire l'exigeante. Dans ce cas, je vais droit au but. Mais je sais que vous finirez par m'accorder le temps nécessaire. Mmh.
jamais signé ce document. Bien sûr, ce n'est pas votre signature. Quel sacré sens de l'observation. C'est sûrement comme ça que vous avez réussi à falsifier ma signature. Vous saviez, si vous ne l'avez pas, vous auriez pu me le demander. Je vous l'aurais prêté volontiers. Oh, je voulais vous faire la surprise. Je n'ai plus rien à faire ici. Attendez. Quoi? Capitulez. Ce sera mieux pour tous. Capitulez. En général, les avocats maîtrisent mieux leur sujet. Mais vous, on dirait pas. Oh que si. Et c'est pour ça que je suis sûr que vous ne ferez pas le poids. Je suis tout, sauf anorexique, maître. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le bar n'est pas encore ouvert. Tu me reconnais pas, JP? Hey, Mike. On dit quoi, frangin? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Ça super. Va. Et le boulot? Oui, ça va, on se plaint pas. Écoute, ça fait un bail, hein. Je suis juste passé te faire un coucou. Ah ouais, c'est super gentil. Dis-moi. Jette un œil, s'il te plaît. Est-ce que tu reconnais cette fille? C'est du passé. Jébi, s'il te plaît, j'ai besoin d'une confirmation. Là. Je ne sais plus trop là où je l'ai vue. Tu te souviens plus? Non. Mais c'est Titi. Une des bouclées avec qui on allait célébrer notre bac. Titi! Titi la titilleuse! Bien sûr! La titilleuse! C'est pas vrai! Waouh, j'adore quand tu m'embrasses comme ça. Et ton collègue? Qui ça, Mike? Vous vous connaissez? Bah non. Il est passé à la maison remettre un cadeau pour la dot. Ah, ok. Mm-hmm. Quand on parle du loup... Vous ne frappez pas avant d'entrer? Ah chérie, attends, c'est son bureau aussi. C'est Ashley, c'est ça? Exact. C'est mon bébé. Ethan, oui? Tu as du courrier à la réception. Ah ouais, mais pourquoi tu ne me l'as pas apporté? Oh, c'est marqué courrier privé. Alors. Comme je savais que tu avais une visite, j'ai pas voulu... Il ne vous a pas dit qu'il recevait sa femme? Mais certainement. Bon, ok chérie, je reviens tout à l'heure, d'accord? Ok, mon cœur. Tu veux ma photo? Pardon? Ta photo? Mais j'ai mieux. Une vidéo très haute. Ça va très certainement te raviver la mémoire. Merci.
sortir. Je vais tout dévoiler. D'ailleurs, le courrier qui est en a reçu. Ok, en quoi puis-je vous aider? Docteur, vous seul pouvez sauver notre couple. D'accord, de quel mal est-ce que vous souffrez? Nous sommes mariés depuis 7 ans et... Nous n'avons pas d'enfants. Nous avons essayé tous les traitements, mais toujours rien. Je ne suis pas... Si, vous pouvez nous aider. Il suffit de nous permettre d'adopter cet enfant de 3 jours abandonné par sa mère. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit de le faire. Docteur, vous avez le devoir de sauver des vies. Nous donner cet enfant sera de sauver notre vie et lui permettre d'avoir une famille qui va le traiter comme un trésor. Toute son existence, nous vous promettons que ce bébé ne saura jamais qu'il a été adopté. Tellement, nous lui donnerons de l'affection et de l'amour. Faites-le pour nous, docteur. Faites-le. Miss Kadjo, il paraît que j'ai un courrier ici. Oui, monsieur. Merci. Tu ne vas pas tenir compte de ça. Je suis obligé. L'héritière nous poursuit pour avoir utilisé une fausse signature. C'est pas vrai. Excuse-moi, tu voulais me dire quelque chose? Non, rien. C'est juste que tu me manques. J'ai envie de... Ouais. Je fais vite, d'accord? Tout à l'heure, je te rejoins. Je ne vous promets rien, mais bon, on verra. D'accord? Allez, bonne journée. Je ne t'ai jamais donné l'ordre de trouver des parents adoptifs pour ce bébé! Mais, docteur, je vous jure que je n'ai rien fait. Vous savez que ici, les nouvelles vont tellement vite. Et si vous voulez mon avis, je pense que ce couple est un meilleur parent. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je veux... Arrête, je ne veux plus rien entendre! Arrête-moi cette bêtise-là! Tout ceci appartient à mon passé désormais. Je pourrais avoir besoin de toi, moi. Pardon? Oui. Tu veux me faire chanter? Ah mais non, ça ne marchera surtout pas avec moi. Parce que je vais moi-même tout raconter à Ethan. Écoute-moi très bien, Titi la titilleuse. Tu pourras raconter tout ce que tu veux à Ethan, mais ça ne sera jamais aussi pimenté que l'histoire que je vais lui servir. Alors si tu veux, on peut essayer. Elle est partie, ta femme? Oh oui, elle vient de prendre son taxi. Ah, je te rappelle que c'est une très belle femme que tu viens de doter. Merci. Au fait, merci pour le cadeau, elle me l'a dit. C'est tout naturel. J'étais pas là, alors c'est le minimum que j'aurais pu faire. À propos, qu'est-ce qu'il y avait dans le courrier privé?
Gina porte plainte pour falsification de signature. Pourtant, tu m'avais dit que tu étais là quand elle signait. Alors, selon toi, pourquoi elle agit ainsi? Elle doit être folle, cette fille. Elle veut nous distraire. Ah, cette fille. Je sais pas, mais elle a un truc. Attends. Sois sérieux, là. C'est pas le moment de tomber amoureux. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit. Bah, je sais pas trop, moi. Comment tu sais pas trop? Attends, sois sérieux un instant. Écoute. Il faut riposter. Je ne sais pas le comment ni le pourquoi, mais ça reste un affront, il faut le laver. Hé, c'est toi notre champion. Hein? Je vais vous poursuivre pour harcèlement. Je me propose comme avocat et je peux vous garantir qu'on gagnera parce que je ne perds jamais. Sauf qu'après tant de partage en harcèlement, je risque de vous manquer. Je ne capitulerai pas. Il n'y a aucun moyen, aucun argument pour que je cède tout ce qui me reste de mon père. Cette école, c'est presque une sœur pour moi. D'accord, je vous comprends, mais la gestion d'une école est bien plus colossale que ce que vous pensez, et bien pire encore. Vous savez, dans notre pays, l'art n'est pas le meilleur investissement qui soit. Moi, je pense que si. Les gens l'ignorent, c'est tout. J'insiste. Et je persiste. Ce n'est pas le meilleur investissement qui soit. Alors, j'en suis l'exception. Action. Mon amour, ma femme. La mort qui a recueilli sur le miel de ton haleine n'a pas encore épris sur ta beauté. Tu n'es pas encore conquise. Oui, c'est ici que mon repos éternel doit se jouer. Le dernier regard, mes yeux. Une ultime étreinte, mes bras. Et vous, mes lèvres. Le seuil du souffle vital. C'est comme ça que vos émotions doivent parler, même quand les lèvres ne le font pas. Pas mal. On la reprend. Tu n'avances plus loin avec ta bouteille, hein? Comme tu le faisais le matin. Ça ira. Tu sais que l'expression « ça ira » a fait perdre la guerre dans le monde. Tu le sais, non? Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit docteur? Rien de bien important. Merci de t'en faire pour moi. Ok, je suis à côté. Si tu as besoin de moi, tu me fais signe. C'est comme on le dit dans la Bible, frappez et l'on vous ouvrira. À propos de Bible, est-ce que tu connais Moïse? Moïse, oui. C'est l'un des plus grands prophètes dans le monde. Et est-ce que tu sais que ses parents l'ont abandonné? Oui, tu sais. Tous les grands hommes de ce monde ont eu leur naissance, plus ou moins comme celle de Moïse. Ses enfants sont très spéciaux. Ce sont des hommes exceptionnels. Cette pièce qui est aujourd'hui la salle des profs était autrefois l'endroit où je venais me cacher avec mon père. On s'était même promis qu'à mon retour de la France, on ouvrirait un studio d'enregistrement. Et peut-être même que j'aurais pu enregistrer ma première chanson. Mon rêve. Est-ce qu'il y a d'intéressant ici? C'est qu'on peut entendre l'âme de l'école. Et
Écoutez. Rien que pour ça, je ne céderai jamais. Vous avez vraiment pleuré pendant la pièce de théâtre tout à l'heure? Pardon? Allez. Non. On peut refaire la scène, hein? Oh, ma Juliette! Allez vous faire voir. Maître Boigny, tu as réussi ton coup, on dirait. Oh, à vrai dire, je suis moins motivé. Moins motivé? Oui. Comment ça? Tu sais, j'aime pas trop la façon de faire de ce Fadoul. On est là à frauder, à mettre notre carrière en péril. Pourquoi? Pour de l'argent? Tu sais que ça va nous poursuivre toujours, ça? Qu'est-ce que tu racontes, là? Souvent, il faut savoir prendre des risques pour aller de l'avant. Ah, donc quand tu me disais que tu étais là quand Gina signait, c'est ça pour toi, prendre des risques? Ne déconne pas, Ethan. Tu ne connais même pas cette fille. En tout cas, je sais que je n'ai pas envie de risquer ma carrière et encore moins ma liberté pour ce type. On lâche l'affaire. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Alors, on a un problème. Tu ne rentres pas ce soir? Tu vas me manquer. Chérie, tu sais très bien que c'est pour nous que je fais tout ça, hein? Allez. Hey, Serge Beno! Hey, ça va, champion? Ouais, ça va. Bien ou quoi? Tranquille. Enfin, je te vois. Bah, voilà moi, hein, chéri en os. Yeah. Ah, désolé, j'ai pas pu être à votre cérémonie de dot. Bah, tu connais mon travail, hein. Voyage, toujours en deux avions, c'est un peu compliqué, mais je suis là. C'est pas bien grave. Pas de soucis. D'accord. Ça va, toi? Ça va bien, et toi? Super. Bah, je t'avais dit au revoir. Ah, je repars en tournée, en fait. Bah, tu connais le travail, c'est le travail. Hein? On voyage beaucoup, mais bon. On n'a pas le choix. Dans ce cas-là, moi, je vais en profiter pour prendre mes points. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, super. Waouh, je suis un fan. Ah ouais, ça fait plaisir. Et tu sais quoi? T'as de la chance d'être avec la présidente de mon fan club. Donc, faut bien prendre soin d'elle. Hein. Ah ouais? Oui. Comme ça? Comment ça? Oh, ils sont mignons. Ok, bah, moi, je vous laisse. Okay. Vas-y. Bientôt, hein, la star. Au plaisir. Plaisir. Bonne journée. Allez, bye. Apparemment, tu ne lui as rien dit. Tu n'imagines pas ce qui m'arrive en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ashley? Cet imbécile de Mike me fait du chantage. Aïe! Mais comment il peut te faire du chantage si tu as la possibilité de le dire toi-même à ton mari? Que va-t-il se passer si ta femme t'apprend qu'elle a couché avec ton meilleur ami et collègue? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? T'as dit quoi? T'as dit, elle couche avec mon meilleur ami et puis collègue en même temps. Ah non, là, c'est compliqué. Mais à cette allure-là, tu vas jamais dire à ton mari, alors? Ah, tu es en peine, ma petite. Et il veut quoi, en fait? Je n'en sais rien. En tout cas, pas pour l'instant. Une chose est sûre, cette situation ne me plaît pas du tout. Ah ouais, il y a de quoi? Attends. De rien, ma petite. Ça va? Tu vas m'expliquer ce qu'on fout ici? J'adore ce plat. Je t'ai pas connu si stressé, ma chérie. Mais bien plus détendu. Tu ne m'as jamais connu. Titi, la titilleuse. Ne me touche pas. Si tu n'as rien à me dire, je rentre chez moi. Allez, reste là. J'ai besoin de toi comme je te l'avais dit. Pourquoi faire? C'est ton imbécile de mari. J'ai quelques petits soucis avec lui au boulot.
En quoi est-ce que je suis concernée? J'ai besoin que tu m'aides à le convaincre là où moi j'ai échoué. Écoute. J'espère vraiment que... que tu sauras user de ton charme. Mike, ton téléphone, il sonne, ton téléphone. Ça doit être l'alarme. Mon amour. Mais ton ami du temps, toi. J'espère que ton photographe ne t'a pas fait une facturation à l'heure. T'inquiète, j'ai pu négocier un bon tarif. Désolé pour le retard. Ok, c'est pas grave. Je sais que c'est ton travail, alors je comprends. T'as un amour et c'est d'ailleurs pour ça que je t'aime. Oui. D'accord. Tout va bien? Oui, oui. Tout va bien, ma fille. Ce doit être l'oignon qui est dans le plat, là. Il n'y a pas d'oignon dans le plat, tonton. Momo! J'ai été adopté, Gina. De quoi tu me parles? C'est une blague. Tout le monde m'a convaincu de signer. Contrairement à toi et Fadoula, ta place.
Non. 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 Tu es naïf. Excuse-moi. Laisse-la. Tu l'as fait assez de mal comme ça. Véhiculé par la frustration. C'est plutôt moi qui ai été aveuglée. Ne dis pas ça. Si tu savais à quel point je m'en veux pour ce que je t'ai fait. Donne-moi une raison de ne pas t'en coller une deuxième. J'en ai aucune. Il me fallait 10 millions pour éviter d'être expulsé de mon cabinet. Je n'ai su quoi faire lorsque tout ton bénin m'a fait croire que j'aurais été éjecté du testament à cause de mon adoption. Quoi? Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Je n'en ai pas eu la force. Mais je te comprendrai si tu décides que je ne sois plus ton frère. Je ne pourrai jamais te considérer comme autre chose que mon frère. Pardonne-moi, Sirette. Pardonne-moi. Pardonne-moi, frère. Les jeunes d'Afrique sont tous debout. De notre Africa, yeah. En leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main. Main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont tous.